Nous saluons tous les internautes qui sont à côté de nous. Nous sommes précisément dans l'église baptiste d'Esprit Saint française de Neuilly-Vernes, précisément à Connecticut. C'est là notre table écran. Après-midi, c'est Pasteur Nasson, dont vous voulez parler ensemble avec vous sur l'amour de Dieu. Jusqu'avant, on nous coupe le fond pour nous introduire par la prière. Céleste Père en Jésus-Christ, nous demandons toutes ces grâces pour capable édifier nous après-midi. Permettre que chaque internaute qui a côté nous, mon autre apprécié Dieu, va quitter l'esprit, va traverser et qu'on sa parole, ça va entrer la caillou. Il va bénir. Qu'il soit ainsi. Amen. 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 Nous comptons pour entrer la caillou dans la première rubrique ça, qui est intitulée L'amour de Dieu. Vous allez ensemble avec moi dans Jean chapitre 4, Jean 3, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Après-midi, nous allons prendre soin pour nous parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu lui consiste en quatre aspects. Le premier aspect, c'est la joie de l'amour de Dieu. Deuxième aspect, la longueur de l'amour de Dieu. Troisièmement, la profondeur de l'amour de Dieu. Et quatrièmement, hauteur de l'amour de Dieu. Mais pour après-midi, on va parler simplement de la chair, l'amour de Dieu. Où j'en prends le temps pour garder, imaginer la chair, l'amour de Dieu. La joie de l'amour de Dieu, c'est que Jésus dit d'accord by ville pour l'humanité. À la croix que Jésus l'ouvert deux mains pour l'humanité. C'est Dieu, quand Jésus ouvert deux mains à la croix, il couvrit l'humanité. Il embrassait l'humanité pour le capable prendre une main. Quel que soit capacité du monde, quel que soit l'âge économique, quel que soit différentes couleurs, langage, Dieu n'a pas fait exception de personne. Dieu livre les sauver. Gardez le texte ensemble avec moi dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, le verset 30. Dieu nous a dit, Actes 17, 30, Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils sont à se repentir. Ça veut dire que l'amour de Dieu, la joie, l'amour de Dieu, quel que soit péché ou t'as fait, quel que soit crime ou t'as fait, quel que soit acte ou t'as commis, Dieu n'a pas de problème avec temps passé. Dieu s'en tenait compte. Les temps d'ignorance. Soit à faire, Dieu n'a pas de problème avec vous. Livre le même pour repentir. L'amour de Dieu est ouvert pour vous. Parce que dans la joie de l'amour de Dieu, Dieu attend aujourd'hui. Zamim, Kapkoutem, est-ce que vous ne pouvez pas quitter l'amour de Dieu, rentrer la caillou? Si vous rentrer la caillou, monsieur certain, c'est plus bon. C'est plus gros bagaille pour quitter rentrer dans le cœur. Il va rentrer dans le cœur, il est capable de sauver. Il y a des gens qui sont condamnés pour 5 ans. Il y a des gens qui sont condamnés pour 10 ans. Mais l'homme vient de Christ. Il n'est pas compte de temps passé. Il veut recommencer ensemble avec vous. C'est seul monde qui veut recommencer ensemble avec vous. Et il veut faire fil pour vous aussi. La Bible parle que, à la croix que Jésus te dit, yon nan la ron yo, je dis à même immédiatement ou avec moi. Ça prouve que la joie, l'amour de Dieu, n'est pas fait exception, quel que soit côté Christ, il est capable de longer même pour le prendre. Christ a plongé même pour le prendre. Est-ce que vous voulez recevoir l'après-midi? Est-ce que vous voulez ouvrir le cœur pour Christ rentrer dans la vie? Sous ta remède, Christ rentre la caillou après-midi.
du Seigneur, mon bon la fille. Je suis conscient longtemps, je suis dans l'ignorance, mais je suis en train de dire, ou pas de problème avec le temps passé. Oui, je ne fais pas bon, mais je sentis que après-midi, ou dit ou pas de problème avec le temps passé, ou voulez sauver. Et je suis certain, sous prendre conscience après-midi, dans la joie de l'amour de Christ, la couvrir, la embrasser pour le bon la vie. L'homme qui a condamné, mais Christ, les papes condamnés. Car il dit dans la parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gontan l'amour, l'amour érotique, gontan l'amour, ça a séparé. Parfois, pas même arriver dans la mort, l'amour a séparé. Car Christ, quelle que soit la dimension arrivée, même dans la vie, même dans la mort, il n'y a pas plagué. C'est la chair de l'amour de Christ. Vous avez fait ça? Quittez le Seigneur entre la caille. Nous comptons après-midi à notre première rubrique. Nous gagnons sur l'amour de Dieu. La chair de l'amour de Dieu. Sur les questions, vous avez posé nous? Ou quelques commentaires, vous avez fait? Vous mettez aller sur le computer. Vous mettez taper www.fsbcnewhaven.com.